encore décalé. Je vais fumer encore. Ah, Maggie. Tu viens de fumer 3 paos et tu veux fumer encore? S'il te plaît, pense à ton bébé. Ah, Maggie. N'abuse pas, s'il te plaît. Tu sais que tu es enceinte. Écoute ce que Navi te dit. Oh, laissez pour vous là. Enceinte et puis quoi? Mon bébé se porte bien car c'est de mon ventre il est. Et moi, je le sens bien. Allô? Allô, maman Sandrine. Pardon, viens, tu vas parler à Maggie. Elle fume trop. Et à cause de son enfant, on lui parle, mais elle ne veut rien comprendre. Alors qu'elle vient de fumer 3 paos. Ok, mais vous êtes où présentement? Chez Yaya. Ok, d'accord. Là, je vais lui parler, elle va comprendre. Ok. Ah, Maggie, qu'est-ce que c'est? C'est pas pour ça que tu as les casseroles là-bas. Viens ici. Hein. On dit quoi, Maggie? Comment tu vas? On dit rien, la aimé. Mais pourquoi tu es énervée? Je vais fumer encore. Ce n'est pas Franck et Navi qui me prennent la tête parce que je suis enceinte. Ils s'inquiètent pour le bébé. Mais maman Sandrine, moi je sais que mon enfant n'a rien car je le sens en pleine forme de mon ventre. Après les 3 paos là, tu veux encore fumer? Oui, parce que je ne suis pas décalée. Et tu penses que fumer beaucoup comme ça, c'est bon pour ton bébé? Viens, mais la vérité, moi je sais que ce n'est pas bon. Mais je veux fumer pour oublier la vérité. Je sais que ce n'est pas bon pour le bébé, mais qu'est-ce que je peux faire, hein? Tu sais, dans ton état, si tu fumes trop et surtout si tu partages, tu peux avoir des maladies. Et tu sais, dans ton état, quand tu fumes, ton bébé aussi il consomme. Tu veux que ton enfant soit défoncé? Qu'il naisse tout petit, qu'il ait des problèmes pour respirer. Tu me demandes ce que tu peux faire, je t'explique. Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute, dis-moi. Mais ne me demande pas d'arrêter la drogue, ça c'est au-dessus de mes forces. Alors, fume juste ce qu'il te faut pour ne pas être en manque. Ni plus, ni moins. Et surtout, s'il te plaît, ne partage pas. Fais à ce pao divisé et utilise un embout pour ton yor. Ensuite, je peux t'aider pour que tu accouches dans un hôpital pour qu'on prenne bien soin de ton bébé à la naissance. Tu sais, quand ton bébé naîtra, il sera en manque. C'est ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Il va être irritable, il aura des difficultés pour téter et pour respirer. Mais il existe des médicaments qu'on peut lui donner à la naissance. Ce traitement-là va lui permettre de mieux vivre. Est-ce que tu serais d'accord pour que je t'emmène rencontrer les médecins qui vont s'occuper de toi et de ton bébé au moment de ton accouchement et à la naissance du bébé? Oui, jamais. Ok. Ok. Mais alors, fais très attention à toi en attendant. Ok? Ok. Hey, merci, jamais. Il n'y a pas de drap, on est ensemble. Shall I be a poppy? Yes, I. Oh, yeah, yeah. C'est un grand diamant, il se shoot, c'est vrai. Tu l'as rejeté et pourtant ça ne change rien. C'est un grand diamant, il se shoot, c'est vrai. C'est un malade alors, dans lui la mer. C'est un grand diamant, il se shoot, c'est vrai. Tu l'as
chantier. Ça ne change rien. C'est un grand diamant qui se shoot. C'est vrai. C'était malade avant. Tends-lui la main. Il est temps d'ouvrir les yeux. Avec un regard neuf, celui de l'amour et du pardon. Il est temps d'avoir un regard nouveau. Un regard bon, celui de la compassion, de la compréhension. Ne vois en lui que simple être humain, à qui tu te dois de tendre la main. Dépasse tes préjugés, apporte ton soutien. Que soit meilleur son lendemain. Me vois en lui, que simple être humain, à qui tu te dois de tendre la main. Il souffre, alors apporte-lui ton soutien. Que soit meilleur son lendemain.